On va essayer de se réveiller. Enfin, je vais essayer de me réveiller avec un shmup. Ouais, parce que vous entendez au timbre de la voix. Ouais, on sent que c'est le mec qui a décollé de l'oreiller il y a pas longtemps. Et c'est pas faux. Et moi, en général, au petit déjeuner, pour être en forme toute la journée, je m'envoie un bon gros bol de boulettes. Et aujourd'hui, je crois que je vais être servi puisqu'on va aller dans la preview de Grace Counter GM. Encore un de ces two-like qui est très très généreux en boulettes lentes, mais du coup oriente le jeu vers une partie de contre. Ouais, j'essaierai de détailler ça pendant la partie si le jeu m'en laisse un peu le temps. Ça ressemble vaguement à un Vic Viper, ça, dites-moi, non? Bah, je les confonds peut-être, hein, allez savoir. Je suis. Go! Oui, c'est moi. Ouais, non, là, c'est clair. Alors, on m'invite à utiliser plutôt la croix directionnelle, hein, de ce que je vois. Parce qu'avec. Le Bitonio, c'est beaucoup trop sensible. Auto-shield. Ouais, ce sera bien pour un débutant, je pense. Oui, ce sera bien pour un débutant, je pense. Comment ça, il y a de la redite. Les touches, déjà. Merci. Ça, j'ai à peu près compris. Alors, le shield. Va falloir frôler les boulettes pour pouvoir recharger ma jauge tout en bas. Le Grace Counter. Quand c'est à la moitié, je peux envoyer du pâté. Et quand ça va être à fond, je peux éclater des fions. Oh, je l'ai dit. Ok, et ça va pas être maîtrisé ça tout de suite, je pense. Mais c'est pas grave. On est là pour apprendre. Comment ça, le jeu gueule encore? Tant mieux, tant mieux. Ah, le break, c'est beau le break, hein. Ça fait envie. D'accord. Ouais, mais ça sera pas aujourd'hui. Hop, on y va. Il y a un choix de route, ça c'est bien. Bon, pour l'instant, c'est plutôt joli. Hein. Du gros pixel, comme on aime. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, ça devait être bien ça. Pour l'instant, je vais me contenter de faire Nawak et d'essayer de survivre. Alors faut pas que j'oublie qu'il faut que je rase les boulettes ennemies. Enfin pour l'instant c'est pas ce qu'il y a vraiment en quantité. Pour pouvoir recharger mes shields et à tout moment m'énerver comme ça. On va le laisser passer, lui, il est trop gros pour moi, là, je crois. C'était moche ce que j'ai fait, je sais. Ouais, mais j'étais tenté, quoi. Moi, on me dit, rase des boulettes, j'y vais. Hein. C'est Warrior Spirit.
Ça peut être bien ça. Invincible. Alors, on va jouer contre du boss. Là, ça va commencer à devenir vraiment too late. Et ça va durer longtemps. Et je pense que le boss, si je le flingue pas à temps, il va se barrer. Comme dans un vrai. Et tu fais pas ça, gars. Non, tiens, ça, bah, c'était mérité. Hop, on se barre. Courageusement, toujours. Je sais pas ce qu'il me prépare, mais il sent le gazier, là. Hop, 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 bouge. Jamais en dessous. Ah, je contre. Il a pas aimé le contre. Bon, je me suis bien fait endommager aussi. Est-ce que je baisse un peu le son? Non, ça gueule, mais c'est bien. Il faut que ça gueule, ces jeux-là. Oh, crème au beurre. Oui, c'est une préversion que j'ai. Hein. J'ai probablement pas tous les niveaux. Mais on a vu qu'au démarrage, il y avait le choix entre deux routes. Et qu'est-ce qui va m'empêcher de réclamer, à corps et à cri, d'essayer la deuxième route? Oui, ça c'est encore nous. Et c'est toujours pareil. Et on va pas changer une équipe qui gagne pas. Ah, je pourrais quand même, ça fait envie. Autoshield Break Booster. Alors là, je charge deux fois plus vite mon break. Ça doit être bien pour les gens qui veulent faire du score, je préviens. C'est quoi cette fille? Ouais, non, mais non. On va garder ça comme c'était. On va garder ça comme c'était. Et on va sélectionner l'autre niveau. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, normalement, il devrait y avoir une démo disponible sur les sites de Demet. Histoire de vous permettre de tester ce gameplay un poil particulier. Et juger par vous-même de quoi il en retourne. Si c'est un style de jeu qui vous correspond, parce que c'est assez particulier du coup. Tirez les gars, tirez, je vous en prie, pitié, tirez, merci. C'est un jeu où on implore que l'ennemi vous tire dessus pour charger la jauge de contre. Ah, pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. Oh le bordel, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais là, moi? Faut que je recharge la poêle. Ouh, je l'ai bien pris dans la face, celui-là. Sagesse, toujours. Et modestie, bien entendu. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va être coriace celui-là. Allez, mais franchement. Ah, la panique.
Je vais attendre qu'il rebalance ses cubes de glace là. Parce que les cubes c'est le plus gênant. Grass Counter GM, un petit jeu sympa niveau chemin, un peu pour les gens qu'on a un petit peu marre de tourner en rond sur les tout. Et du coup, ça pourrait les inviter à avoir un gameplay qui change pas trop de ce qu'ils connaissent. Et puis, s'amuser comme des petits fous. Pour les autres, ça sera le moment de s'initier. Vous avez vu que le jeu est tout en contre. Donc si vous avez envie de plus particulièrement travailler cette technique dans vos shmups, intéressez-vous à ce Grass Counter GM. Je vous rappelle, démo disponible sur le site de DMAT. Et moi je pose une playlist par là, une autre playlist par là il paraît, et il faudra que je pose un bouton d'abonnement, je sais pas où.